La Commission équestre européenne, elle regroupe différentes disciplines, dont l'équitation tauromachique, elle est pratiquée au Portugal depuis l'Antiquité. C'est l'art de la tauromachie qui intègre des figures équestres inédites au monde, par exemple l'assaut de face, l'assaut à l'étrier et l'assaut à la croupe. Alors pour simuler le taureau, le cavalier tauromachique emploie la tourina destinée à l'entraînement des chevaux. Pour cela, nous allons accueillir le petit-fils de David Ribeiro Teles, qui fut l'un des plus grands cavaliers de tauromachie du XXe siècle. Manuel, puisque c'est de lui dont il s'agit, cultive comme son grand-père et ses deux oncles un véritable culte du cheval tauromachique. La famille possède à la Quinta Taurina son propre élevage. Ils ont en permanence une cinquantaine de chevaux lusitaniens au dressage pour être testés au taureau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici Manuel Ribeiro Teles. Thank you.
département magique en Portugal, venu tout spécialement de Lisbonne pour notre plus grand plaisir. Merci Manuel. Manuel Vidal-Lopez, c'est son magnifique Lusitaine. Une écurière passionnée au service du dressage. Ses écuries et son élevage se situent en Camargue. Elle possède une centaine de Lusitaniens à l'élevage. Danilae apprécie chez ce cheval, dit-elle, son moral de guerrier, on l'a vu à l'instant, et son mental de compétiteur. Et tout comme Manuel Ribeiro-Teles, elle a eu la chance de croiser la route du grand maître Nuno Oliveira, dont elle fut l'élève durant 14 ans. Danilae dit de lui qu'il fut le vecteur du succès et du renouveau de l'équitation de tradition française dans le monde du XXe siècle, ainsi que de la renaissance tout aussi mondiale du pur sang lusitanien. Danilae, avec son cheval Tuché, nous présente les aires d'équitation académique de tradition française, d'expression latine. Voici une grande écuyère, regardez bien et appréciez ce talent. Danilae est touchée.